L'idée est très amusante. Après un lexique intitulé Tintin au pays des mots, les éditions Araps, à qui l'on doit les meilleurs dictionnaires d'anglais, viennent de publier un Tintin et les secrets de la grammaire anglaise. Ceux d'une langue dans laquelle il est relativement facile de se faire comprendre, mais qui est très complexe à bien parler. Conçu par un agrégé, Marc Martinez, l'ouvrage est des plus réjouissants. Il reprend certains des dessins et des situations des albums d'Hergé, les traduit en anglais et les explique. C'est ainsi que les moins doués d'entre nous devraient enfin pouvoir pénétrer les subtilités de la forme progressive, de la traduction de « depuis » ou de l'équivalent anglais, redoutable, de notre « n'est-ce pas ». Il y a fort longtemps que Tintin a été traduit en anglais, puis en une bonne trentaine d'autres langues. Mais il reste toujours distrayant de constater que Tonnerre de Brest devient Thundering Typhoons et Mille Sabords Blistering Barnacles, le tout à Marlin Spike, Moulin Sarr, sous le regard de Cuthbert Calculus, Tryphon Tournesol, des Thompson, les Dupont, et de Snowy, qui n'est autre que notre ami Milou.